Tout comme vous, Hervé, Patrice, Claire et Caroline en ont eu marre de vivre leur célibat. Tout comme vous, ils ont aussi eu envie de faire cette rencontre, la rencontre avec quelqu'un qui leur correspond vraiment, avec qui ils vont partager des points en commun, avec qui la relation elle est fluide. Comme vous, ces quatre personnes en ont eu marre de perdre encore du temps dans ces relations stériles et qui sont aussi générants de souffrance. Pour pallier à cette problématique, et justement pour que la rencontre puisse se faire, ces quatre personnes se sont inscrites à l'atelier « Augmenter les chances pour rencontrer votre âme sœur ». Et dans cet atelier, ils ont exploré justement tous les freins qui les empêchent de faire cette rencontre. Et ils sont ressortis de cet atelier avec de la clarté, avec des outils concret, grâce à cet atelier, Patrice, lui, a compris que rencontrer quelqu'un aujourd'hui n'était pas sa priorité, que sa priorité était déjà avant tout de déménager, de construire justement un nid pour que cette rencontre puisse se faire. Et justement, je suis heureuse de savoir que c'est l'une des premières choses qu'il a fait et aujourd'hui, il a déménagé, il est en Bretagne. C'est magnifique. Hervé, lui, il est ressorti de cet atelier justement en ayant pris conscience que son premier blocage, c'est qu'il avait une relation amoureuse qui l'avait marquée, qui fait qu'il avait eu une difficulté à réouvrir son cœur, à avoir confiance à nouveau à une autre relation. Et justement, cet atelier lui a permis d'avoir les outils pour retrouver la paix par rapport à cette histoire passée. Et je le remercie justement dans son témoignage. Et je suis contente qu'il puisse partir sur de nouvelles bases, avec des nouvelles perspectives, confiant pour une nouvelle rencontre aujourd'hui. Grâce à cet atelier, Caroline a pris conscience que la raison pour laquelle elle n'arrivait pas à faire une rencontre aujourd'hui, c'était tout simplement parce qu'elle était enfermée dans une croyance limitante, qu'elle ne méritait pas ce qu'il y avait de meilleur pour elle. Et justement, cet atelier lui a permis de s'autoriser à avoir droit au bonheur sans culpabilité, sans demander l'aval, ni la validation, ni la permission à quiconque que ce soit. Donc c'est bon de lire aussi son retour et d'avoir son retour. Quant à Claire, elle a beaucoup apprécié cet atelier qui apporte justement un côté pratique et concret qui lui a permis justement d'avoir les clés précis de qu'est-ce qu'il fallait qu'elle mette en place justement pour augmenter les chances pour que cette rencontre puisse se faire. Tout comme Patrice, Hervé, Claire et Caroline, je vous souhaite aussi de bénéficier des bienfaits de cet atelier afin que vous aussi, vous puissiez augmenter les chances de rencontrer cette personne qui vous correspond le mieux. L'atelier est prévu le 30 janvier ainsi que le dimanche 7 février, c'est de 14h à 18h sur Zoom. Inscrivez-vous, ne tardez pas à le faire car les premiers inscrits seront les premiers pris. Vous serez un groupe restreint de 12 personnes afin que je puisse vraiment m'occuper de chacun de vous. Je serai heureuse d'être là pour vous et de vous faire profiter de toute cette expertise que j'ai eue sur ce sujet-là depuis que je suis thérapeute. Le lien d'inscription va se trouver juste en bas de la vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Merci de la partager si elle fait sens pour vous. Et sentez-vous libre de vous inscrire et de diffuser l'information autour de vous. Moi, je vous dis à très vite. Au revoir.